Le cours PSPO, c'est un cours qui s'adresse à une personne qui est product manager ou responsable d'un produit et d'un service, qui joue un rôle de product owner ou qui s'apprête à jouer un rôle de product owner auprès d'une équipe de développement. C'est un cours en fait idéal pour comprendre comment je peux utiliser Scrum pour maximiser la valeur du produit dont j'ai la charge, puis aussi comprendre comment en tant que product owner, je dois jouer mon rôle auprès de l'équipe de développement puis auprès des différentes parties prenantes. Il y a deux fils conducteurs dans le cours. Souvent la question difficile, c'est comment je sais que j'ai du succès. Donc on va discuter beaucoup de valeur d'affaires, comment la mesurer, comment se doter d'outils pour savoir si on est sur la bonne voie, hein, gestion du produit. Puis le deuxième, c'est tout l'aspect jouer un rôle de product owner dans la collaboration avec l'équipe de développement à travers les différents événements de Scrum, la gestion du product backlog, planification, suivi des livraisons, collaboration avec les stakeholders. Donc, ça va être les deux thèmes principaux du cours. Pixis, on a une longue histoire d'amour avec l'agilité puisque la compagnie a été fondée il y a plus de 15 ans avec la volonté de faire du développement logiciel autrement. On a une longue expérience de Scrum aussi puisqu'on a été en contact avec les créateurs de Scrum il y a longtemps. Moi, personnellement, j'ai eu ma certification Scrum Master en 2003 avec Ken Schwaber, le co-créateur de Scrum. J'enseigne Scrum depuis 2007 maintenant. On est très bien connecté dans la communauté Scrum. On connaît personnellement le co-créateur de Scrum, Ken Schwaber. On travaille étroitement avec lui depuis des années. Donc je pense que pour toutes ces raisons, Pixis, c'est la bonne école pour apprendre à être un bon product owner.